Sainte Marie est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier recours. Le vent tourne les pages en souvenir trop lourd. Il pleut sur un visage, c'est plus fort qu'un discours. Ce chant, Sainte Marie, est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier recours. Où vont tous ceux qu'on aime, les reverrai-je un jour? Peut-on croire quand même et espérer toujours? Ce chant, Sainte Marie, est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier recours. Pour qui naissent les roses, puisqu'elles se fanent de choses, y a-t-il un long retour? Ce chant, Sainte Marie, est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier recours. Je sais que plus on donne, plus grand est le retour. Si froid que soit l'automne, le temps est en labour. Ce chant, Sainte Marie, Sainte Marie, comme un dernier recours. Sisters, frères et sœurs, peace be with you, reposez Jésus avec vous. We are going to have three short, very short readings on the reflections on the scripture readings of this day, August the 23rd, the 21st Sunday in Ordinary Time. It will be very brief in English. Nous allons faire une réflexion sur lecture la messe jodia. Premièrement en anglais, très courte. Deuxièmement en français, courte en pile. Et troisièmement en créole, courte tout. Donc, restez là. Apprenez fini anglais et français, ou apprenez partout. Restez là, restez attentifs. Brothers, sisters, reflections on the readings of the 21st Sunday in Ordinary Time on August the 23rd, 2020. We receive today great lights on the mystery of the Church and on the irreplaceable role of Peter. Peter's original name was Simon. As soon as Jesus called him, he changed his name, telling him, Peter will be your name.
The word Peter in Greek, Latin, and even French means rock. No one builds a house on sand. A rock base provides solidity and durability to a house. Jesus builds a church destined to stand firm and unshakable throughout time. Peter and his successors ensure the doctrinal stability of the church and its durability throughout history, throughout the centuries. Jesus also gave to Peter the power of the keys. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Do you ever meditate on the meaning of these words? Jesus releases to Peter all power over the conduct of his ship, over the waters of time, over his church. Jesus puts a man in charge of his church. At Peter's death, a successor will enjoy the same authority, the same power, the power of the keys. St. Paul always submitted to Peter, even though he was more learned than the fisherman. This is part of the amazing wisdom of God that no man can fully comprehend. See the second reading. So let us rejoice to belong to the Church of Peter, now led by Pope Francis, his legitimate successor. Let us rejoice to belong to a church not founded last week by a brilliant preacher, nor last year, nor 300 years ago, but to the church founded by Jesus. Let us never betray our sacred heritage. Jesus built his church, and he gave the keys of the church, not to the Bible, but to Peter, to a man, so that the body of Christ throughout history would be guided by a shepherd. Peter holds the keys, and the keys are now held by Pope Francis. Let us not give up the Catholic Church to join another church created by a man last year, or 3 years ago, or 300 or 400 years ago. The keys of the church have been committed to Peter, so that the church will always remain an organized body. May God bless you. Méditation sur la lecture du 21e dimanche simple. Nous recevons aujourd'hui des lumières sensationnelles sur le mystère de l'Église. Jésus dit à Pierre, « Sur toi, je bâtirai mon Église. » Jésus donc bâtit une Église, non pas sur le sable, mais sur une pierre. C'est un fondement de pierre qui rend une maison solide et durable. Saint-Pierre reçoit l'insigne vocation d'être la pierre de base de l'Église construite par Jésus. Saint-Pierre reçoit les clés du royaume. Il est en charge. Son autorité dépasse toute mesure. Ses disciples sur terre seront entérinés. Ses décisions sur terre seront entérinées au ciel. C'est presque invraisemblable, mais c'est ainsi que Jésus le veut. L'on trouvera toujours à travers l'histoire des gens qui se dresseront pour arracher les clés des mains des successeurs de Pierre. Jésus ne veut pas bâtir une église divisée, fragmentée, selon les caprices des hommes. Il veut d'une église une, sainte, unie par l'unique Esprit. L'église est appelée à être un corps organisé dont le Christ est la tête, un corps déchiré, périt inévitablement. L'Église n'est pas une armée en débandade où chacun fabrique sa propre doctrine et évolue à son propre gré.
L'Église est un corps organisé. Une foi, un baptême, un pain, une table, un calice, un Jésus, un souverain pontife, un esprit et un Dieu Père de tous. L'Église est comme un arbre aux branches multiples, une maison aux chambres nombreuses, un peuple dirigé par un seul roi, un corps aux membres multiples, mais tous collaborant à la mission, à la santé de l'ensemble. Le Christ en est la tête. Mal définir l'Église, c'est trahir le Christ, c'est détruire son projet, c'est se moquer de lui. Réjouissons-nous d'appartenir à l'Église fondée sur Saint Pierre, dont le pape François est le successeur légitime. Ce Jésus que tu aimes vit et agit par son Église, une sainte, catholique et apostolique. N'abandonne jamais ton Église fondée sur la pierre du souverain pontife. Cette Église qui est appelée à être unique dans son enseignement, à ne pas être à la merci de tous les interprètes qui surgissent de temps à autre pour fonder leur propre Église au nom de Jésus. Sois fidèle à ton Église. Frère Aksemoyo Jodia, qui c'est 23 août, qui c'est 21e dimanche ordinaire, en écoutez le son la Bible en abonne. Son leçon qui ouvre les yeux sous ça l'Église. Apotio, t'es avec Jésus. Jésus viré sous Pierre. Non, le pas Pierre, non. Maman, elle était le Simon. C'était toujours Jésus changé, non. Il était le pape le Simon encore, qu'on y a appris le Pierre. Pierre, en grec, en latin et en français, veut dire roche. Il aura bâti en caille, ou pas bâti en caille sous sable. Le pape Kembe, c'est pour bâtir sur roche, là, les solides. J'ai dû dire, Pierre, vous savez, on roche, ou son Pierre, et c'est sous roche ça, m'a bâti l'église, moi. Et Satan, pas bien pouvoir solide. Et puis, il dit dans l'autre bagaille encore, il dit, on m'a promis à tout clé, pays, côté bon du roi. Tout son marré sous terre, m'a marré dans le ciel là. Et tout son démarré sous terre, m'a démarré. Allons, autorité, il va y avoir un monde pour diable, Saint-Pierre, et un pêcheur poisson qui pas passer l'école. Il remet les clés. Donc, ouais, que malgré l'importance essentielle, la Bible, l'Église a chita, la main en monde, Jésus nommé. Parce que Jésus voulait que tout le monde qui croit en l'homme, fait une seule famille pour pas gagner division, pour que moun sa pas levé, il dit, c'est pas Pierre, c'est moi-même, il fonde l'église parle. Et puis l'église ça, il vient joindre l'autre moun encore qui divise, et puis il y a comme 50 000 moun, ils ont tous fondé l'église parle au nom de Jésus, et puis ils n'ont pas bien avec l'autre. Alors que Jésus veut que tout le monde qui vraiment accepte et qui joigne l'esprit parlant, qui sont esprits d'unité, tout chrétien, lui fait un seul corps. Nous pas oublier enseignement ça. Ramasser. Jésus dit Pierre ou ces roches là, c'est sous roche ça m'a bâti l'église moyen, m'a bord clé pays côté bon Dieu roi. Sous bal clé caillou ba au monde, ça veut dire on l'admet entrer sorti n'importe qui le. Jésus bal clé. Et puis il dit Saint-Pierre tout fort déclaré sous terre m'a déclaré qu'il livré le ciel là tout. Rester fidèle à l'église moi, mais grandi dans la foi. Et puis nos membres vivants de l'Église, pas jamais commettre erreur, virer d'eau, quitter l'Église catholique pour aller entrer dans l'autre Église, qui capte des mondes très gentils, de bonne foi pour diable, et au bien de bonne foi, mais qui mal, qui voulait jeter, mon enseignement clé, unité, corps Christ. L'Église, c'est un corps qui remplit le membre, les bras, les pieds. Il y a un ventre, il y a une tête, il y a un cou. Mais tout morceau croyo parti pour tout Québécois. Il y aurait été l'encore
Et c'est quoi ça, même si nous pas parler même langue, nous pas même race, nous pas la même culture, nous pas chanter même cantique, mais c'est même la foi, nous l'en seul Jésus a, dans l'église qui fait pour une sainte catholique, ça veut dire universel, tout partout lui-même, c'est dans l'église ça, Jésus a invité à entrer. C'est pour mon Dieu bénir. Avec Isaac, Jacob, et c'est pour toi.